Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour un nouvel épisode de Terran Hill. Il semblerait que ce soit notre dernier épisode d'ailleurs. Allons donc nous faire la ville irradiée. Pas encore lancée pour le coup, c'est une découverte. J'espère que vous avez pensé à prendre une tasse à café ou un chocolat chaud. À mettre un pouce bleu sur cette vidéo si jamais elle vous plaît. Sous le let's play de Terran Hill en général. Qui est un bon jeu, qui mérite. Je tiens à préciser que si c'est notre dernier épisode, j'aurai un jeu aussi violent à vous proposer derrière. Le même discours que d'habitude, c'est dommage ça qu'ils n'ont pas changé. Ah, cette fois-ci, on a des... ok, on a du sol. On a du sol famille Redo. Sur toutes les hauteurs qu'on veut. Ok. Cocasseur et cocassette. Bah voilà. Et je peux donc pas aller le mettre parce que il me faudrait un potal électrique. Ok. Et ça après pour l'enlever, je crois qu'il me faut un truc. Je peux pas mettre ça comme ça dessus de mémoire. Il me faudra un autre truc. Ouais. Donc on va avoir donc de la dépollution aquatique aussi. Ok, un peu de tout quoi pour faire un monde, c'est ça? Ça a l'air. Hein. Ça a l'air de demander un peu de tout pour faire un monde. Hein. Allez. 4%. Ah ouais, il va falloir nettoyer. Hein. Va falloir nettoyer comme il faut. Alors attendez, je vais me faire un petit peu de côte. Oui, parce qu'en vrai ici je vais pouvoir mettre des choses. En vrai, voilà. Toi je peux te mettre par là. C'est très joli. Hop, continue comme ça. C'est très bien. Comme ça on peut en mettre un peu partout. 18, là tu me dis 21, 24. Ah oui, parce que t'es en contact avec l'autre zone, ok. Ouais, mais j'essaie de clean un maximum d'océan comme d'hab. Je perds un peu, mais. Tant qu'on est en positif, ça va quoi. On n'est pas en perte. C'est plutôt cool. Je pourrais m'en mettre un dans les terres. Bon, en vrai, c'est pas très pertinent. C'est pas très pertinent. Voyons voir par ici. Si, je pense qu'on a des choses qui peuvent se jouer par là. Très bien. Ouais, c'est pas nécessaire. Ouais. Ici c'est bien. Hmm. 29 on prend. Je suis pas bien sûr de ton utilité. Je pense pas que ce soit nécessaire. Là on change d'endroit avec de la pollution. Coalition pollution. 108. 112. 118. Faire ça, c'est joli. Hop là, alors, ah oui, là on a pas mal là. Normalement par ici. 130 131, en effet on est pas mal. Moi j'aurais plutôt envie de te mettre dans ce sens, ce que je pourrais voir. Sens que je cherche, j'ai dû le passer. Attends. Ouais, ce sens là. 22, 17. Ah oui, non, j'ai rien. Ah si, 24 là. Ouais. 22. Ça peut se toucher, c'est bien. Voilà, ok, nickel. Nickel, nickel. Pouette, pouette. Pour des grandes avenues. Let's go. Tac tac.
suis pas d'accord. Oh, j'utilise un rollback. Alors, on peut aller jusqu'à 56. Ah oui, mais c'est dans tes smokes. On est déjà dans tes smokes. Get smoky. Quel est mon point d'attaque? Ouais, je pense qu'on passe par là. Ok. Donc là, je peux. Ah, mais en fait, je m'embête pour rien depuis le début. Au lieu de planter des éoliennes, je peux planter des petits poteaux électriques pour emmener l'électricité un peu plus loin. Bon, après, on l'emmène pas non plus hyper loin. Bon, après, ça coûte que 10 aussi. À voir. Je sais pas s'il y a une méta. Il y a une méta poteau électrique. Il y a une méta du poteau électrique, rendez-vous compte. Ouais, si, je pense qu'il y a. Ça vaut le coup d'aller chercher des. Ah ouais, mais ça va pas me clean. Ça laisse des traînées de fumée partout, c'est moche. Viens-moi tes fumées à la con là. On veut plus les voir. Ça s'en va. Oust, du balai. Très bien. Continuons donc de nettoyer les lieux. Oh, 50. Oh, ouais, 71. Oh, il y a des trucs. Hein. 69, on pose. Ouais, avec des quartiers pourris, je sais pas trop comment le poser. Hein. Tu m'aides pas beaucoup le jeu. 47 par là. Ouais, c'est pas grave, on va coller un peu quand même. Hein. Voilà. On peut poser de quoi nettoyer les océans. Plus 7, je prends. Ouais, par là, peut-être. Ah oui, plus 35. Ouais, ouais, plus 35. Ah mais ouais, même le même la toxicité radioactive, ouais, prend forcément dans l'océan, c'est un enfer. C'est-à-dire que là, si je veux faire un beau truc, faut que je vienne poser ça là. Into ça là, quoi. J'ai moins encore. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? 35 points là, il est là. Ouais. Ok. C'est un peu moche, cette histoire. Ah, c'est mon téléphone. Ça patientera. Ok. On est à 70%. Ah ouais, il faut quand même pas mal pousser. Hein. Ouais, posons cela ici, admettons. Parce que tout ça, là, je vois pas trop l'utilité de le poser. Ouais, après, c'est exige. Hein. Hop, hop, hop. On va les poser. Moi, ça, tant qu'il y a du positif, finalement... Ah, plus 15, je les prends, pas de problème. On prend tout ce qu'on peut prendre après tout, tiens. Ce petit îlot là-bas, isolé seul de tout, il paraît être un excellent deal. Ah, est-ce que je pouvais le poteau électriquer? Non, c'était pas possible. Ah, dommage, dommage. Ok. Et alors là, voilà. Là, ça va se régaler. 46, 49. Allez, 49, on prend. Voilà. Un petit océan. On a clean l'endroit, c'est bien, c'est joli. On partirait sur un moins 14, moins 12. Moins 12, je prends. Encore trop de pertes à moins 12. En fait, faudrait vraiment venir clean ici pour gratter quelque chose, mais je peux peut-être. Voilà. Peut-être d'abord gratter là. Voilà, plus 15. Plus 4, je prends. On a 90%, c'est ça. Faut vraiment aller. On va vraiment aller pousser par là. Voilà. On va remettre un poteau. Ouais, ouais, complètement. On va le mettre ici. Et on va remettre lui un peu plus haut comme ça pour qu'il nettoie l'horreur qu'il y a dedans. 36. Ah, j'ai pas. Donc je pourrais en poser deux là. Ah, 50 à 61. Oh, joli. 61, je le prends.
floraison des fleurs. On a des fleurettes. C'est joli. Moins 28. Ouais. On peut peut-être t'arranger ça, ma gueule. Hein. Attends, regarde. Petit clinage de l'océan. Petit clinage de l'océan. Et on est bon. Il va falloir verdir tout ça. Ok. Ok. Alors, j'ai de quoi faire de la formation rocheuse. D'accord. Pour les profondeurs aquatiques. J'ai pas suivi les taux d'humidité, les machins, les températures. Parce qu'on est quand même qu'à 2 degrés. Hein. Donc pour l'instant, on est bon pour devoir réchauffer très probablement. L'humidité est parfaite pour faire des pépinières de bambou. Ok. Un conservatoire végétal, c'est pas au petit. Il faudrait monter encore un petit peu la température. Et l'hélio, faudrait monter l'humidité. Ok, le seul qui a des contraintes en humidité, c'est la pépinière de bambou. Et vu qu'on est large, je vais voir si on peut la monter un petit peu, l'humidité. Pour que tout devienne ok. 16%. 16%, j'ai des arguments. 18%. As-tu vu la taille de mes arguments? Oh, on a pris un petit peu de budget, en plus ça fait plaisir, on s'est remboursé. Je reviens là donc. Pépinière de bambou. Oui, on a quand même bien progressé dessus, hein, donc on va éviter de refaire un 18%. Pas la meilleure des idées. Ah, mais on va pouvoir quand même concilier probablement les deux. Que j'aille chercher encore un peu d'humidité. 12, ça passe. Ouais, 12, 12 on prend. Hein. 12, ça passe, je pense. On va avoir des petites mousses sur les surfaces. Et si je dis pas de... Oui, non, ici. On est toujours bon. Et on est devenu bon. Voilà. Donc lui, à partir de 51%, devient favorable, quoi. C'est bien, ça. Température, un petit peu trop frais, il faudrait qu'on monte un petit peu la température générale. Pour ça, un petit coup de briquet, il n'y a que ça de vrai. Hein. 2%, 2%, ouais 4%, il faut que j'aie cramé des vraies surfaces quoi. Ouais, plus 5. Voilà, normalement on va être bon. On peut en faire, c'est pas favorable, mais on peut en faire. Là, c'est favorable. Faudrait que je remette un petit coup de briquet dans l'idéal. Ça se comprend, ça se comprend. Je pense que je vais remettre un petit coup de briquet là dans le centre. Genre... Ah, par là, on peut pas. Ah, parce que, parce qu'il n'y a pas d'alimentation électrique par là, monsieur. Mais c'est bien sûr. Oui, on va... Bon, on va poter, hein. Pour aller jusque là. Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. On a poté. Poté pour planter des poteaux, bien sûr. Alors, est-ce que c'est pas trop ça? Si, ça me paraît beaucoup cette histoire. Là, on est bon. Ah, on est bon. On est impeccable partout. C'était pas de trop. Bonne nouvelle. Ouais, tu sais quoi? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, on va remettre un peu de bonne terre aussi à cet endroit-là. 66, allez. Je prends. D'ailleurs, s'il y a un truc qui est prenable par là, moins 17, moins 18, moins 17. Rigolo drôle ça. Mais alors, si je te prends là, moins 23. Ah oui, d'accord, non, ok. C'est ce que je viens de te dire. Moins 23, oh, on va prendre un moins 17, hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, bambou. Donc, on est bien pour planter des bambous. Qu'est-ce qu'il faut? Ce site de construction n'est pas... Voilà, ce site de construction est parfaitement valide. Bambou. Pourquoi ce site de construction n'est pas valide? Ah, à cause des rades. Et 10%.
Et 10% c'est à cause des rades, regarde. Et si je te fais ça, mon canard? Comme on est. Et tu sais quoi, regarde. Même je te régale jusqu'au bout. Ouais, je t'ai peut-être pas pouvoir te régaler jusqu'au bout. Ouais, on est peut-être pas dingue en place non plus pour te régaler jusqu'au bout, mais on va essayer. Voilà. Est-ce qu'on peut te bambou? Bambou! Parfait. Bambou terminé. Il faut que je plante ça, je crois, dans la mer profonde. La zone vaste doit être nettoyée. Ah oui, ah oui, donc là on va avoir des petits soucis techniques. Hein. Zone trop vaste pour être nettoyée. Mais tu cherches quoi? Ah non, ok, il va falloir faire des zones de caillasse. Ah oui, d'accord, ok. Je vois l'idée du délire du truc. Il va falloir... Ah, en fait, là, ça va être dur. Ok, là, je pensais que ça allait être facile sur celui-là. Mais celui-ci, en réalité, va être un problème. Ah, je peux pas le planter parce qu'il y a déjà des... J'ai mis des... Non, c'est une blague, ça. Tu me fais une blagounette. Tu me fais une blague. Il fallait pas que je mette d'herbe. C'est très sérieux. Ça veut dire que toi aussi... Non, c'est une grosse blague que vous me faites tous les deux, là. Moins 11. Moins 21. C'est quoi ces zones ultra pourries? Genre qui couvre pas. Bon, ok, d'accord. Toi, tu t'en foutais en même temps. Il fallait pas grand chose. Ok. Je vais couvrir les 3 points. Ok, terminé. On a fait descendre le niveau de rade. Je vais pas trop regarder les humidités, les machins, les trucs. On peut continuer à faire monter la température si jamais. Ouais, ok. Parce que lui là. Pour pousser, les racines des arbres brisent le béton environnant qui fait place à une forêt de feuillus. Doit être construit sur un épurateur. Ah, sur un épurateur, d'accord, ok, ok. Parce que c'est, je suis en train de devenir fou, je fais, attends, comment je vais faire mon histoire là? Ah oui, c'est joli. Vous voyez la nature qui reprend ses droits, avez-vous vu? Donc là j'ai, excusez-moi, là j'ai un petit épurateur en hauteur, c'est rigolo drôle. Je vais pouvoir te faire des forêts de dingue là avec ton histoire là. Moins 2. Plus 93. Ben voilà, hein. Bon, on a fini quoi. Faire un océan. Certes. Donc là, il va falloir verrouiller des espaces. C'est considéré comme verrouillade là. Get verrouillade. Get verrouillade. Ça compte ça? Trop vaste pour être nettoyé. Oh. Alors, je vais te faire des mini-zones. Comme ça. Into comme ça. Into, into. Je l'ai pas posé mon pauvre. Je vais le poser hein, juste pour la déco. Ah ouais. En vrai... la déco. C'est pas pour, du tout pour moi que je le fais, pour l'esthétique du jeu, hein, c'est vraiment... C'est pour toi YouTube que je l'ai fait. Hein. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée d'en abuser, mais... Ouais, le jeu me dit tu peux abuser... Bon, je... Hein? J'abuse pas trop, quoi. Jamais. Oui! Oui! Oui, 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 c'est joli. Ok, 1 plus 32. C'est seulement un tiers. Il faut voir pour faire des endroits un peu plus vastes. Cet endroit-là me paraît avoir un fort potentiel, voyez-vous. Je pense que je vais le mettre comme ça. Into. Ah ouais. Oui. Ouais, ouais, on va faire... On va partir... je suis d'accord, on va partir de là. Est-ce qu'on peut aller verrouiller déjà là-bas aussi? Voilà. Enfin flûte, vais-je dire.
J'ai verrouillé. J'ai verrouillé l'endroit. Plus 89. Pas mal. Là-haut, c'est trop vaste. Ok. Alors, c'est trop vaste, oui, mais... Si je ferme genre juste là, c'est trop vaste ou... un petit peu trop... Mais regardez, il m'a fait calme-toi. Je vois pas bien ce que je fais. Je vais essayer, on va essayer un truc comme ça. Trop vaste pour être nettoyé. Je vais verrouiller ici. Oh, putain, sad. Je vais essayer de réduire un petit peu cette zone. Je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir la nettoyer. Hein. Le problème, c'est que le jeu est un peu taquin. Bon, arrête, là, c'est bon. Hein. Arrête de faire ta star aussi, là. Quand je vois pas bien de ce côté, ça m'aide pas beaucoup. C'est sérieux? Mais non, arrête, la zone est pas trop grande, bro. Tu déconnes. Et j'en ai marre de me ruiner, là. À un moment donné, il faudrait que la zone soit de bonne taille, garçon. Qu'est-ce que je te dise de plus, moi? Tu t'es en train de m'emmerder, là. C'est bon, là, la zone, elle est bonne. 158. Ah oui, quand même, ça fait quand même beaucoup de points. On s'est passé en tout cas. Oui, recycler toutes les structures humaines. Voilà. Allez. Aussi appelé, on plie les Gaules. Voilà. Je pense que j'ai à poser. Voilà. Pouette. Mais avant ça, j'ai pas oublié qu'il nous restait une petite liste d'objectifs. Et pour ça, il ne faut que quelques degrés. Et pour quelques degrés de plus. Il faut aussi de l'humilité aux dernières nouvelles. On se demande bien pourquoi faire. J'ai plus de côtes. Ah, si. Il faut plus de 25 degrés pour avoir des pluies. Et ben, c'est parti. Faut tout cramer. Je vais peut-être cramer un peu énervé. Après, du bambou, j'en ai, je crois. De toute façon, à ce stade-là, ils s'en foutent. Il fallait une température inférieure à 5 degrés pour avoir, pour avoir du varech. Des forêts de varech. Ah, ça veut dire que là, je vais m'emmerder à réchauffer alors qu'il va falloir que je trouve. C'est quoi le dernier truc que j'ai posé? C'était... On est à 25 degrés. Ah, tu veux dire qu'il faut que je refroidisse pro? T'abuses. Moins 3, moins 4, moins 5. Ah ouais, ça détruit tout. Ah ouais, 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 ça détruit bien tout, mon gars. Moins 4. On va se tirer des poteaux électriques parce que là, sinon, on va tout détruire. Ça. Moi ça jusqu'ici. Tire-moi ça jusque là. Ouais, mon 4. Vas-y. Faut encore descendre à 5 les poulets. Voilà, c'est bon. On a tout. C'est bon, on est bien. On est bien. Avec notre neige au milieu, on est magnifique. On ressemble à rien du tout. Sauf qu'on a annulé la pluie ou quoi? Faudra qu'on voit si on a de la pluie qui tombe. Parce que si j'annulais la pluie, on a l'air... on est marron. Et pour la pluie, la condition c'était... Plus de 25 degrés, 85% d'humidité, on est bon. Moins 30% de rad. Ouais, donc on n'a plus la température. On va mettre des coups de briquet dans tout là? Pas. J'aimerais bien ne pas mettre un coup de briquet ici.
J'adorerais ne pas mettre un coup de briquet par là. Câble. Pourquoi je veux pas aller plus loin? Ou deux, vas-y, crame la base. Parce qu'il y a déjà un briquet ici. Place pour mettre des coups de briques. Va falloir que je détruise mes forêts de bambou. Bambou. Ça, je crois que j'ai pas la pluie, j'ai cassé la pluie. C'est pas grave, bah écoutez, on va être obligé de déforester malheureusement. Heureusement, mes objectifs en tant qu'être humain ont été remplis. Un degré, ça sera pas suffisant. Il y aura 3 non plus, mais du coup pour le degré, seulement un degré ici. Et dans le doute, je vais recramer un truc. Oh putain, 4 degrés. C'est maintenant que je me perçois qu'il y a un truc à 4 degrés. Non mais s'il vous plaît, pitié. 1 degré. On est bon. Normalement on est bon. Voilà. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Le butch, le retour du butch, parfait. Des poteaux, oui. Oui, des poteaux. Oui, des poteaux. Ah, ah oui, je suis allé trop loin. Bon, des poteaux. Des poteaux, on est trop loin. Ah, des poteaux, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle est agréable par contre à poter cette hein, cette carte là en poteau. Quel bonheur hein. Non, laisse-moi tout ça hein. Allez, laisse-moi tout ça. Ramassez-moi tout ça. Poteau. Un autre poteau. On peut pas des poteaux par là. Poteau. Je crois qu'on peut pas les poteaux là-bas. Ah oui, parce que j'ai grignoté les bâtiments avec mes forêts. Et que du coup, ce ne sont plus tout à fait une valeur sûre. Bah non, on va pas ramasser ce poteau tout de suite. Bah, pas tout de suite. Ceci dit, au lieu de planter des poteaux comme un crétin, je ferais mieux de poser des bêtes. Des tortelles. Oh, bah, hey. Régalez-vous, hein. Ça me fait plaisir. Des pans. Pans. Voilà. Des pandas. Da. Da, da, da. Comme ça. Bof. Plus de bambou. Oh bah d'accord. Par là. Il y a un peu de structure humaine. Hein. Plus de bambou. Plus de bambou. Frère, j'ai cramé tous les bambous. Hein. Ah non, c'est pas des bambous qu'il veut. Si, c'est bambou. 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 Oui, c'est ça. Et puis, je piche pas de quoi on parle sinon. Donc, c'est bien ça. C'est bien bambou. De toute façon, c'était écrit. J'ai plus de forêt de bambou, frère. J'ai tout niqué. C'est bon.
Alors lui, il faut des cochons à proxy. Donc des cochons. Des cochons, je sais pas moi. Tiens, des cochons par là. Allez, alors lui, il n'y a rien de bitien, on est sur un toit. Bah oui, forcément, on est sur un toit. Toi, il te faut juste de la plaine et des machins, quoi. Ok, il est heureux. Et pour ton pote l'aigle. En gros, il faudrait que je le cale par là, quoi. Mais sauf qu'il voit pas la structure, ce crétin d'abruti. Il voit pas la structure. Ça me défonce. Il voit pas la hauteur. Et là, la hauteur, tu l'as là? Il voit plus rien. Il est sur un immeuble, il voit plus rien. Est-ce que là, tu vois la structure? Quoi? Vous êtes sérieux? Ça, c'est gonflant. Vraiment. Vraiment, c'est très très gonflant. Il n'y a rien. Il ne voit R. Là, il voit la structure. Ok, il voit la structure. Je vais essayer de poser des cochons par là. Quoi? Comment ça, forêt vite fait? Mais forêt carrément, en fait. Ouais, merci. Et toi, je vais essayer de te replanter ici. Ouais, c'est bon. Ouais. La lourdeur, hein. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Comment ça? Il y a de l'eau partout, arrêtez d'être chiant. Oh, vraiment, vous êtes vraiment des loutres. Hein. Qu'est-il? Forêt de Varek. Ah! Excuse-moi. C'est pas le. C'était pas les mêmes choses, les mêmes objectifs. Bon, bah c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout ça, on peut ramasser, hein. Tu peux. Bah, vous pouvez tout ramasser en fait. Hein. Let's go, on a tout. J'ai envie de dire, plions les gaules. Hein. Hop. On prend tout ça aussi. Ah non, ici il faut qu'on continue notre balade à base de poteaux. Donc on va continuer à se balader à base de poteaux. Hop, hop, hop. On fait les malins, mais attendez, ici on risque d'avoir des petites complications techniques. Peut-être falloir faire un petit ramassage là. Eh bien, ramassons. Ramassons tout. J'ai envie de dire, tirons. Je suis en train de vérifier que j'ai pas oublié comment s'appelle ces trucs là? Un minéralisateur. Au milieu de nulle part là. Et ça servait à rien, c'était pour ramasser le poteau. Des pans.
a quasiment plus de bambou. Tout vous y. Bah voilà. Allez, on fait un petit tour vite fait sur la carte du monde. Peut-être que ça débloque d'autres choses. Succès, rénovation urbaine. Succès déverrouillé. Voilà. 100%. Restauration globale. Bon, je pense qu'on a fini le jeu. Y a pas de fin de jeu. Voilà. Bon, bah on a fini le jeu. Je sais même pas s'il y aura autre chose, genre si on retourne au menu principal. Parce qu'il y a un mode bac à sable, mais... carte du monde... Mais c'est ça, hein, c'est... Mais elle est à 100%, ok. Menu principal, s'il te plaît. Je vais voir ce qu'il propose d'autre. Là, pour moi, par contre, c'est un petit peu un... C'est un petit peu dommage si génération de la carte si ce qui était un peu vendu dans l'idée du jeu dans sa démo, c'était que les maps étaient aléatoires. Voilà, donc celle-ci par exemple, elle a souvent un côté très aléatoire parce qu'elle a été c'est la map initiale, elle a été travaillée beaucoup de fois. Procédural, donc une génération un peu procédurale avec certains éléments fixes, un certain nombre d'éléments, genre vous aurez toujours 4 arbres par exemple. Ça disparaît de plus en plus au fur et à mesure que vous avancez dans les cartes, et bah, s'il y a une génération procédurale, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas tout simplement un mode qui me permet moi de lancer une carte en procédural. Si j'aime bien faire que des forêts, je fais que des forêts. Voilà, qu'est-ce que... Si j'ai envie de faire des plages, je fais que des plages. Et je lance une carte comme ça en random et je me fais une plage. Tout simplement. C'est dommage. C'est dommage. Quoi qu'il en soit, c'était Knarfanction comme d'habitude gaming pour Terranil. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.